Alors, la question de ce soir est un peu provocatrice. L'histoire a-t-elle un sens? C'est une question qui semble bien postérieure à l'époque de Pascal. Elle a été imposée par les grandes philosophies de l'histoire du XIXe siècle, par Hegel au premier chef, pour qui l'histoire est la réalisation progressive de l'esprit, en grand du Geist. Et puis évidemment par Marx aussi, qui a prétendu remettre son expression, la dialectique hégélienne, sur ses pieds, c'est-à-dire garder le même schéma progressiste, mais en l'appuyant sur le matérialisme et non plus sur l'idéalisme, ce qui a donné la doctrine de l'accroissement des forces prolétariennes au fur et à mesure de l'accroissement de leur exploitation. Le processus devant aboutir évidemment au renversement du système capitaliste au profit de la société sans classe où chacun vivrait libre et heureux. Alors, ce n'est pas parce que l'histoire elle-même a démenti Marx et peut-être Hegel que la question du sens de l'histoire est sans réponse ou sans réponse possible. Et ce n'est pas parce que le 19e siècle a imposé cette question qu'elle ne se posait pas auparavant. Il suffit de songer à saint Augustin, et à son immense traité de la cité de Dieu, qui commence à la création et qui finit au retour du Christ et au triomphe de la Jérusalem céleste. Il suffit de penser à ce De Civitate Dei pour comprendre que la théologie a quelque chose à dire du sens de l'histoire. Et comme le XVIIe siècle est surnommé le siècle de saint Augustin, ben nous pouvons penser que ce siècle s'est penché sur la question. Alors c'est ce que nous allons essayer de vérifier sur le cas de Pascal. Nous ferons 3 temps, puisque pour respecter les normes académiques qui sont devenues finalement pour nous une seconde nature. Tout d'abord, Pascal s'est-il intéressé à l'histoire, question préalable, préjudicielle. En second lieu, l'histoire est-elle pour lui un chaos ou peut-on identifier les forces ou des forces qui la meuvent? Et puis enfin, cette histoire est-elle susceptible d'un sens transcendant? Alors, vous élevez vers les hauteurs. D'abord, Pascal s'intéresse-t-il à l'histoire? Commençons, si j'ose dire, historiquement. Pour répondre à cette interrogation, en effet, il faut placer Pascal dans son siècle. Or, ce siècle apparaît, en tout cas à première vue, comme peu favorable à une connaissance approfondie de l'histoire. On notera en particulier que ni dans l'enseignement qualifiable de secondaire, ni dans l'enseignement qualifiable de supérieur au XVIIe siècle, il n'y a de cours spécifiquement réservés à l'histoire. Bon, on étudie bien, naturellement, les historiens antiques. Pas tous, d'ailleurs, surtout Tite Live, Salluste, ou Tacite, ou fort peu Suétone, qui évidemment n'est pas à mettre entre toutes les mains. On étudie donc bien les historiens antiques, mais on les étudie dans le cadre des cours de rhétorique. On les étudie, on ne les lit pas essentiellement comme des historiens, mais comme des maîtres en l'art de bien apprendre à parler, puisque leurs histoires sont remplies de harangues, et comme des maîtres, bien sûr, en l'art d'écrire. C'est pourquoi l'histoire au XVIIe siècle n'est pas d'abord considérée comme une science, mais comme un genre littéraire. D'ailleurs, le premier des genres littéraires en prose. C'est-à-dire l'analogue pour la prose de l'épopée pour les genres en vers. C'est une première raison pour laquelle il n'y a pas d'études très approfondies de l'histoire au XVIIe siècle. D'ailleurs, il n'est pas évident de rencontrer quelqu'un qui pourrait citer le nom d'un historien du XVIIe siècle, c'est-à-dire un historien au XVIIe siècle. Ce n'est pas évident. Mais il y a des raisons de fond qui expliquent ce désintérêt pour une étude approfondie de l'histoire, voire une certaine hostilité à l'égard de celle-ci. Bon, j'en proposerai 3 raisons. D'abord, le siècle classique, on le sait, élabore l'idéal social de l'honnête homme.
Or, qu'est-ce qu'un honnête homme pour le XVIIe siècle? Vous le savez, c'est pas simplement un homme honnête. C'est, comme le dit Pascal, justement, un homme universel. Alors, je vais parsemer mes propos de citations pour lesquelles je renverrai, ça va être un peu répétitif, au numéro des pensées qui est cité. Alors, je cite les pensées en livre de poche. Et, oui, un exemplaire qui a un peu souffert, mais j'espère que vous en avez de plus neuf. Et ici, c'est le fragment 532, hein, où il parle de l'honnête homme comme homme universel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire homme universel? C'est-à-dire un homme sans spécialité, qui sait un peu de tout et qui ne le montre pas. En un mot, c'est l'opposé de l'érudit. L'érudit, c'est celui qui, à la limite, sait tout sur rien et qui ne peut pas s'empêcher de faire savoir qu'il sait. C'est-à-dire que, tout simplement, l'érudit, au XVIIe siècle, prend souvent la figure de l'anti-honnête homme. Il s'identifie à la figure ridicule du pédant, qui est moqué, alors par Molière, par La Bruyère, et de façon sanglante par Malebranche. Malebranche s'en prend spécialement aux historiens, dans son chef-d'œuvre, hein, de la recherche de la vérité. Voici quelques petites citations à propos donc des historiens. Ils ne connaissent pas même leurs propres parents, mais si vous le souhaitez, ils vous apporteront plusieurs autorités pour vous prouver que tel citoyen romain était allié d'un empereur. Et Malebranche continue, ils vous détailleront les rues et les places publiques de l'ancienne Rome, alors qu'ils sont incapables de retrouver leur chemin dans leur propre ville. Là, ce qu'on appelle détailler un costume. Donc, première raison, en effet, l'érudit comme anti-honnête homme. Deuxième raison de suspicion, donc sur l'histoire, c'est l'expansion du cartésianisme au cours du XVIIe siècle. C'est pas un hasard si on vient de citer justement Malebranche, très hostile aux historiens, qui est évidemment lui-même un disciple de Descartes. Alors, c'est que Descartes distingue deux ordres. Il y a l'ordre, on pourrait dire, du rationnel, d'une part, c'est-à-dire le domaine des idées claires et distinctes, et puis d'autre part, le domaine de l'historique, justement. Le domaine de l'historique, l'ordre de l'historique, qui par définition porte sur le passé, bien sûr, et donc qui ne peut pas être l'objet d'une intuition immédiate. Alors, si l'évidence, comme on le sait, pour Descartes, le critère de la vérité, et s'il n'y a pas d'évidence du passé, ça veut dire que l'histoire est exclue du domaine de la science, qui ne connaît, pour paradigme, que les mathématiques. Dans la science s'exerce l'intelligence, et un peu méchamment, Descartes dit, dans l'histoire, c'est la mémoire qui s'exerce. Donc voilà une deuxième raison. Une troisième raison milite contre l'histoire, c'est la morale augustinienne. Nous savons que pour saint Augustin, l'homme, depuis la faute originelle, est entraîné par la concupiscence, et que cette concupiscence prend trois formes. J'ai dû l'expliquer déjà un certain nombre de fois devant ce micro. Il y a la libido sentiendi, le désir des plaisirs sensibles, ce que le XVIIe siècle appelle la sensualité. Il y a la libido sciendi, le XVIIe siècle appelle la curiosité. Et puis, il y a la libido dominandi, le désir de dominer, que le XVIIe siècle appelle l'orgueil. Or, l'étude de l'histoire tombe très aisément dans la libido scendi, c'est-à-dire le désir excessif de savoir des choses qui n'ont pas le rapport avec notre salut. Je prends juste un exemple, par exemple, dans Jansénius. Jansénius n'a pas écrit que l'Augustinus, il a écrit beaucoup d'autres choses, et en particulier un discours de la réformation de l'homme intérieur, 1628. Eh bien, on voit dans ce discours que Jansénius annexe à la libido scendi l'envie de connaître des événements sur lesquels nous n'avons aucune prise parce qu'ils sont trop éloignés dans l'espace. On peut en déduire que relève de la libido scendi
l'histoire, parce que l'histoire raconte des faits sur lesquels nous n'avons aucune prise, pour la bonne raison qu'ils sont éloignés dans le temps, pour la bonne raison qu'ils sont passés, tout simplement. D'où la virulente critique d'un Augustinien, pourtant cursuque, si j'ose dire, comme Bossuet, qui critique ce qu'il appelle, je le cite, « cette insatiable avidité de savoir l'histoire ». C'est dans le traité de la concupiscence. Magnifique traité, un peu noir, mais splendide dans sa noirceur, c'est au chapitre 8. Et il continue, « Qu'y a-t-il de plus inutile que de se tant arrêter à ce qui n'est plus ?» Donc voilà bien des raisons, au XVIIe siècle, de se détourner de l'histoire. Et ces raisons, a priori, devraient valoir pour Pascal. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est l'un des premiers, des principaux théoriciens, pas le premier, mais l'un des principaux théoriciens de l'honnête homme. Il correspond à la première raison. En second lieu, il fait comme Descartes, des mathématiques, le paradigme du savoir scientifique. Et puis enfin, il condamne, en tant qu'augustinien, toutes les formes de la concupiscence. Alors, ces raisons, pourtant, ne sont pas décisives, sinon cette conférence s'arrêterait là. Par exemple, bon, ce n'est pas parce qu'on condamne la libido scandi, c'est-à-dire le désir effréné de savoir des choses qui n'ont aucun rapport avec le salut, c'est pas parce qu'on condamne la libido scandi qu'on condamne toute acquisition du savoir. À Port-Royal, il y a les petites écoles. À Port-Royal, on cultive le savoir et même l'enquête historique. Il y a une formule un peu inattendue de Descartes, de Nicole. Nicole ose parler d'une honnête curiosité. Et donc la libido scandi peut se trouver rattachée à l'honnêteté. Et il dit cela dans le traité d'éducation d'un prince. Et il parle d'honnête curiosité, notamment à propos de l'histoire. L'histoire dont il dit que même si elle se fonde beaucoup sur la mémoire, comme disait Descartes, elle sert beaucoup aussi à former le jugement. Ce que n'avait pas dit Descartes. À Port-Royal, on s'attache à écrire des hagiographies qui ne sont en rien des romans spirituels. La vie de Saint Bernard, par Antoine Lemestre, le maître en 1848. Les vies des quatre principaux pères grecs, par Godefroy Hermon. Alors, il écrit un Jean Chrysostome en 1664, un Athanase en 1671, un Basile de Césarée et un Grégoire de Nazianze en 1674. Et on pourrait même dire que c'est même Port-Royal qui donne au XVIIe siècle celui qui est sans doute son plus grand historien, même si son nom n'est pas illustre. En tout cas, c'est le seul historien dont les historiens d'aujourd'hui disent qu'il peut leur apprendre quelque chose, qu'il peut leur servir à quelque chose. C'est le nain de Tigimon. Le nain de Tigimon, ancien élève des petites écoles de Port-Royal, auteur de deux monuments, l'histoire des empereurs et des autres princes qui ont régné durant les six premiers siècles de l'Église. Or, c'est paru de 1690 à 1738. Et parallèlement, si l'on peut dire, les mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles de l'Église. Et cela, c'est paru de 1693 à 1712. Port-Royal, du point de vue théologique et de la recherche théologique, se situe dans la ligne inaugurée par le XVIe siècle. On distingue, depuis le XVIe siècle, trois... On ne dit pas que cette distinction soit toujours valable aujourd'hui, mais c'est une distinction valable pour le XVIIe siècle. Il y a la théologie scolastique, évidemment, celle du Moyen Âge, il y a la théologie mystique, et puis il y a ce que le XVIe siècle a apporté, qui est ce qu'on appelle la théologie positive, c'est-à-dire une théologie historique. La théologie qui se penche sur les sources de la révélation, c'est-à-dire sur l'Écriture, sur les premiers conciles, sur les pères de l'Église. La théologie, dans cette perspective, repose sur la mémoire. Et Pascal appartient à cette mouvance. Dans sa préface pour le traité du vide, en 1651, il distingue deux types de sciences.
Il y a les sciences qui dépendent du raisonnement ou de l'expérience, celles qui ont pour objet, comme il le dit, de découvrir les vérités cachées, ainsi les mathématiques, la physique, etc. Pascal qualifie d'ailleurs ces sciences de dogmatiques. Et le mot n'a évidemment rien de péjoratif, tout au contraire. Et il réunit dans une autre catégorie les sciences qui dépendent de la mémoire et qu'il appelle des sciences purement historiques. Dans ces sciences, il y a évidemment l'histoire elle-même, il y a la jurisprudence et surtout, dit-il, il y a la théologie. Voici par exemple une de ses formules dans toujours cette préface pour le traité du vide. Pour doter la certitude entière des matières les plus incompréhensibles à la raison, il suffit de les faire voir dans les livres sacrés. Donc Pascal va se nourrir de la Bible, c'est pas un scoop, mais pour lui la Bible est un livre d'histoire. Il parle des historiens évangéliques. L'expression se trouve au fragment 658. Par dérivation, il se nourrit aussi de l'histoire de l'Église, qu'il appelle l'histoire de la vérité. Cette fois, c'est le fragment au numéro 641. Et puis spécialement dans l'histoire de l'Église, bien sûr, il s'intéresse à l'histoire des premiers siècles de l'Église, qu'il oppose parfois à une certaine décadence contemporaine. On le voit par son opuscule, la comparaison des chrétiens des premiers temps avec ceux d'aujourd'hui. C'est un opuscule où Pascal considère que l'admission généralisée des petits-enfants au baptême a entraîné une dégénérescence de l'instruction et de la pénitence. Parce que l'instruction et la pénitence étaient autrefois nécessaires et antérieures à la réception des catéchumènes au baptême. Pascal donc s'intéresse à l'histoire. Allons même plus loin, il s'est fait historien. Jean Ménard affirme que dans son abrégé de la vie de Jésus-Christ, Pascal s'est livré à un véritable travail d'historien. Il a bâti une concorde des évangiles dans laquelle il donne notamment des dates précises pour les événements qui se déroulent de la veille des rameaux jusqu'à l'ascension. On pourrait ajouter que dans un domaine profane, comme celui des sciences, Pascal a le souci de l'histoire, puisqu'il se situe dans une généalogie. En géométrie, par exemple, il dit qu'il démontre l'égalité des lignes spirales et paraboliques à la manière des anciens. Il se place en particulier dans le sillage d'Apollonius de Perguet, mathématicien du IIIe siècle avant Jésus-Christ. J'ose parler ici de Pascal, mathématicien, devant mon ami Dominique Descôtes, qui en est le grand spécialiste. En physique, Pascal retrace l'histoire des recherches sur le vide et sur l'équilibre des liqueurs, hein, l'équilibre des liquides. Il part des ronds d'Alexandrie, il passe par les commentateurs d'Aristote, il en arrive au dialogue de Galilée, et puis finalement, bien sûr, à l'expérience de Torricelli. Et on remarquera que le seul titre dans l'œuvre de Pascal qui comporte le mot « histoire » renvoie à une question scientifique, c'est l'histoire de la roulette. En 1658. Bien, maintenant que nous sommes assurés, du moins je l'espère, de l'intérêt de Pascal pour l'histoire, nous pouvons nous interroger sur le regard qu'il porte sur elle. Ça va être mon deuxième temps que j'ai intitulé Vicissitude et constante de l'histoire. Alors, j'ai cité tout à l'heure Nicole et son traité de l'éducation d'un prince. On trouve dans ce traité cette formule, l'histoire n'est d'elle-même, l'histoire n'est d'elle-même qu'un amas confus de faits. Ben Pascal, lui aussi, la voit d'abord comme un chaos. Un chaos, c'est-à-dire le lieu par excellence de l'instabilité, de l'imprévisibilité. Il le constate dans l'histoire même dont il est contemporain. Les grandes ce monde, qui sont aujourd'hui au haut de la roue, comme il le dit au fragment 583, ceux qui sont aujourd'hui au haut de la roue, demain, peuvent être précipités. Et il en donne d'ailleurs trois exemples, au fragment 96, que je vous dis. Qui aurait eu
l'amitié du roi d'Angleterre, du roi de Pologne et de la reine de Suède aurait-il cru manquer de retraite et d'asile au monde? Pourtant, celui qui se serait cru dans cette garantie de sécurité se serait assurément fait illusion, puisque, évidemment, Pascal le sait au moment où il écrit, ça nous permet même de dater, en gros, son fragment. Le roi d'Angleterre, Charles Ier, a été décapité en 1649. Le roi de Pologne, il s'appelait Jean II, Casimir, a été dépossédé de son trône par les armées suédoises. Et la reine Christine de Suède a abdiqué en 1654. Donc celui qui recherchait un refuge auprès de ces princes, de cette princesse, se retrouvait assez rapidement démuni et exposé. Donc ceci est vrai des princes, ils sont précipités du haut de la roue, mais c'est vrai tout autant des peuples. Et Pascal l'évoque dans un autre fragment, enfin beaucoup d'autres, mais surtout le 691. Il nous dit « Les peuples de Grèce et d'Italie, de Lacédémone, d'Athènes, de Rome, et les autres qui sont venus si longtemps après, et qui sont péris il y a si longtemps. » Donc l'histoire est un vaste cimetière d'empires écroulés les uns sur les autres. Cette histoire vérifie tout entière la prophétie de Daniel que Pascal traduit au fragment 720 sur les quatre grandes puissances de l'Antiquité. Vous vous souvenez de ce passage de Daniel qui représente ces quatre grandes puissances comme formant une statue gigantesque dont la tête est d'or, dont la poitrine est d'argent, dont le ventre est d'airain, et dont si je me souviens bien, les jambes sont de fer. Ce sont les quatre monarchies que la tradition identifie aux Babyloniens, aux Mèdes, aux Perses et à Alexandre. Eh bien, ce que constate Pascal, évidemment après Daniel, c'est que ces quatre grands empires n'étaient qu'un colosse au pied d'argile. Alors, voici ce qu'il dit. C'est au fragment, oui, 720, comme je le disais, puisque c'est là qu'il traduit le passage de Daniel. « S'en sont allés en poussière, et le fer, et la terre, et l'airain, et l'argent, et l'or, et se sont dissipés en l'air. » Aucun état pour Pascal n'a duré plus de 1000 ans. En tout cas, 1000 ans sans interruption, sans réforme profonde. On voit par là, d'ailleurs, qu'il renchérit sur le pessimisme d'Augustin, qui lui, tout de même, accordait à l'Empire des Assyriens 13 ou 100 ans. On voit surtout que Pascal s'écarte de la doctrine officielle. La doctrine officielle de la monarchie française, c'était qu'elle remontait à Mérovée, fondateur, bien sûr, des Mérovingiens. Mérovée était mort en 458, soit 1200 ans avant l'époque où Pascal écrit les pensées. Donc, dans la doctrine officielle, la France a duré plus de 1000 ans. Alors, outre ces bouleversements politiques, l'histoire présente ce que le fragment 694 appelle une inconstante et bizarre variété de mœurs et de créances dans les divers temps. Les créances, bien sûr, les croyances. Alors, pour ce qui est de la variété des mœurs, pas très difficile pour Pascal, il plonge à pleine main dans les essais de Montaigne, et là, il trouve tout ce qu'il cherche. Il trouve, par exemple, ce que nous estimons comme des crimes abominables, comme l'inceste ou le meurtre des enfants et des pères. Cela a eu, en d'autres temps, sa place entre les actions vertueuses. C'est le fragment 94. Et naturellement, le caprice des lois a suivi ou précédé le caprice des mœurs. Quant aux créances, donc aux croyances, Pascal voit les Grecs et les Latins, alors comme il le dit, fragment 313, séparés en 1000 sectes de philosophie et en 100 diverses théologies. Alors on aurait pu espérer que l'avènement du christianisme aurait au moins fait baisser le nombre de théologies. Apparemment, ce n'est pas tout à fait le cas. Elle a fait naître un pullulement de schismes et d'hérésies. Ça se trouve dans le même fragment 313. Bref, la seule constante de l'histoire semble bien être son inconstance. Toutefois, essayons de surnager dans ce chaos.
Dans ce qui apparaît comme un chaos, est-ce qu'on ne peut pas malgré tout discerner quelques éléments d'intelligibilité, quelques principes, des facteurs, disons, explicatifs, qui donneraient un peu de sens à l'histoire? Alors, pour identifier les forces qui mèneraient l'histoire, il faut se tourner vers la conception pascalienne de l'homme, vers l'anthropologie, pour reprendre le terme que reprenait elle-même Laurence il y a quelques minutes. Les événements de l'histoire, en effet, sont causés par les hommes. Alors, qu'est-ce qui fait agir les hommes? Qu'est-ce qui cause les actions humaines? Alors, nous avons la réponse, fragment 131. La concupiscence et la force sont les sources de toutes nos actions. La concupiscence fait les volontaires, la force les involontaires. Nous tenons donc là les deux facteurs sur lesquels roule l'histoire humaine, en tout cas sur le plan de causalité naturelle. Nous parlons tout à l'heure d'un autre type de causalité. On a rappelé tout à l'heure les trois passions qui subdivisent la concupiscence, la sensualité, la curiosité, l'orgueil. Est-ce qu'on pourrait montrer que ces concupiscences jouent leur partie dans l'histoire humaine? Or, pour la libido sentiendi, la sensualité, la démonstration est facile. Parce que c'est à elle, à cette libido, que Freud appellerait la libido tout court, c'est à cette libido qu'il faut rapporter les bouleversements induits dans l'histoire humaine par les passions et la passion amoureuse. L'amour, c'est ce que nous dit le fragment 32, c'est un je ne sais quoi qui remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. Alors, bien les facteurs historiques. Bon, ce qui plus couramment encore remue les princes et les armées, c'est évidemment la libido dominante, le désir de dominer chez les conquérants. Et Pascal fait défiler, au fragment 82, les figures emblématiques d'Alexandre, de César, d'Auguste. Alors, il semblerait a priori que l'autre concupiscence, la troisième, ou la seconde, ça dépend comment on les classe, la curiosité, la libido scandi, pourrait être moins historique que les autres. On peut quand même arriver à la rattacher à l'histoire. Parce que Pascal range sous la catégorie de la curiosité ce qu'il appelle les voyages qu'on entreprend sur la mer. Fragment 112. Donc on peut attribuer à cette concupiscence les grandes expéditions qui ont amené notamment par Christophe Colomb. Christophe Colomb est cité dans le 18e provincial. Les grandes expéditions qui ont amené notamment donc par Colomb, la découverte, je cite, de tant de peuples aux Amériques. Donc, malgré tout, même la libido scandi peut avoir sa place en histoire. Alors, à la causalité de la concupiscence, comme on vient de voir, il faut en ajouter une autre qui est indissociable de la première, c'est celle de l'imagination. Parce que, elle aussi, comme la concupiscence, elle est qualifiée par Pascal de volontaire. C'est le fragment 546. Elle est indissociable de la concupiscence parce que le désir ne nous meut que par la médiation de la représentation de quelque chose de désirable, c'est-à-dire par la médiation de l'imagination. D'où le fragment 78, les actions des hommes ne branlent presque que par ces secousses, celles de l'imagination. Ou encore, au même fragment, c'est l'imagination qui met le prix aux choses. C'est-à-dire, c'est l'imagination qui rend les choses désirables à nos yeux. Mais l'histoire ne se compose pas que d'actions volontaires, ou plus exactement, elle ne se compose pas que d'actions issues de notre volonté à nous. Malheureusement, il y a la volonté des autres. Alors, c'est toujours la volonté humaine, mais la volonté des autres, parfois, s'impose à la nôtre. Et par là, entre en jeu le facteur que l'on énonçait plus haut, la force. La force, dit Pascal, est maîtresse des actions extérieures. La concupiscence est maîtresse de nos actions intérieures. L'imagination aussi. Et la force des actions extérieures. Hein, c'est 92. Ces actions extérieures, ce sont celles précisément qui remplissent les histoires.
Alors, la force intervient de façon spectaculaire, bien sûr, dans les conflits entre États, elle intervient dans les fraudes à l'intérieur des États, mais elle intervient dès la constitution des États. C'est ce que l'on voit au fragment 608. Figurons-nous, dit Pascal, que nous les voyons commencer à se former, c'est-à-dire représentons-nous les hommes à l'origine de la formation de l'État. Il est sans doute, c'est-à-dire il est sans aucun doute, qu'ils se battront jusqu'à ce que la plus forte partie opprime la plus faible. Bon. L'État n'est pas un consensus libre des volontés éclairées, il n'y a pas de contrat, il y a un groupe plus fort que l'autre qui opprime le deuxième. D'où la formule connue du fragment 632, « la force règne tout ». Donc nous avons les trois éléments qui peuvent rendre compte de tous les événements de l'histoire. La concupiscence, l'imagination qui excite la concupiscence, et la force qui permet d'assouvir la concupiscence. Donc l'histoire n'est pas un chaos, elle n'est pas dépourvue de sens. Bon, parce que dans la mesure où les événements ne sont pas sans cause, et ces causes-là sont assignables. Simplement, cette intelligibilité de fait n'est pas une intelligibilité de droit. Si l'histoire nous était transparente, elle serait prévisible. L'exemple canonique qui montre, enfin il y en a plusieurs, qui montre que notre perception d'un sens dans les événements historiques est brouillée, c'est d'abord le caractère, je dirais, imperceptible de ces causes. On vient de voir, en effet, concupiscence, imagination, en particulier ce qui dérive de l'imagination n'est pas nécessairement facile à percevoir, en tout cas chez les autres, et peut-être même chez nous-mêmes. Donc, ce n'est pas l'absence de cause qui brouille notre perception d'un sens dans l'histoire. Voyons l'amour suscité par Cléopâtre et son célèbre indice nasal. Quelle est la cause de l'amour suscité par Cléopâtre? Réponse de Pascal au fragment 32. Un je ne sais quoi, si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître. Donc une cause imperceptible. Quelles en sont les conséquences? Je cite, toujours le fragment 32, toute la face de la terre en est changée. Une allusion, bien sûr, aux guerres civiles entre Antoine et Octave. Donc, avec cette disproportion entre la cause et les effets, on rencontre un thème qui est fréquent chez les Pyrrhoniens, les sceptiques des XVIe et XVIIe siècles, et qu'on pourrait dire, pour résumer, avec une formule comme petite cause, grands effets, ou encore ce que nous appellerions, nous, l'effet aide de Babylon. Donc c'est la première raison, la première cause, donc, qui peut brouiller notre perception d'un sens dans les événements historiques. Ce qui brouille aussi cette perception, alors c'est pas seulement le caractère imperceptible de ces causes, mais c'est leur caractère infime. Parce que chaque action est en fait le résultat d'une convergence de causes qui remonte de proche en proche jusqu'à l'origine du monde, et qui descendent par les réactions qu'elles provoquent jusqu'à la fin du monde. Une série incalculable, dans un sens comme dans l'autre. Et l'histoire est tout entière tissée de ces interférences infinies. De sorte qu'il faut certainement dire de l'histoire ce que Pascal dit de la nature, dans le fameux fragment qu'on appelle des deux infinis, hein, 230. Voici ce que Pascal dit. Donc de la nature, mais qui vaut évidemment pour l'histoire, toute chose étant causée et causante, aidée et aidante, médiates et immédiates, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Donc en histoire comme en physique, il faudra se contenter d'apercevoir quelque apparence du milieu des choses, comme le dit encore ce fragment 230.
Quelles sont les limites de notre compréhension de l'histoire? Mais bon, nous sommes moins assurés qu'elle a du sens, dans la mesure où elle est un système de causes et d'effets. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? On pourrait s'arrêter là, évidemment, ce serait un peu frustrant. On pourrait essayer de voir si elle a un sens. Elle a du sens, pas tout, puisqu'il y a des causes et des effets. Est-ce qu'elle a un sens? En entendant par le mot de sens, ici, une orientation constante. La réponse est positive dans le domaine des sciences fondées sur le raisonnement et l'expérience, qu'on évoquait tout à l'heure. Pascal, je vous le répète, distingue ces sciences des sciences qui sont fondées sur l'autorité, c'est-à-dire sur ce qu'ont écrit les auteurs. La Bible pour la théologie, les livres du droit pour la jurisprudence, et bien sûr, les livres témoignant des événements contemporains pour l'histoire. Ces livres, donc du droit romain, les livres d'histoire, etc., contiennent tout ce qu'il est possible de connaître de ces sciences. Et comme ces livres sont finis, on peut dire aussi que ces sciences sont elles-mêmes finies. Mais il n'en va pas ainsi de la première catégorie de sciences, celle dont on a vu que Pascal les appelait dogmatiques, par opposition à celle qu'il appelle historique. Parce que les sciences dogmatiques, elles, ne connaissent pas de limites. Si elles reposent sur le raisonnement seul, comme les mathématiques, on ne finira jamais de déduire les conséquences de leurs principes. C'est l'interrogation du fragment 230 qui dit que la géométrie a une infinité d'infinités de propositions à exposer. Et qui doute, ajouterais-je, que Pascal en sache plus que Polonius sur les sections de courbe. L'Antiquité lègue aux âges suivants des problèmes, mais ces problèmes, la postérité peut les résoudre d'une manière neuve et féconde. C'est ce qu'on voit, par exemple, pour rester dans le XVIIe siècle, à la façon dont Descartes, dans sa géométrie, Pascal, avec son hexagramme mystique, résolve le fameux problème de Pappus. Et puis, il y a des problèmes nouveaux qui apparaissent. Et ces problèmes nouveaux ouvrent même de nouveaux territoires à la recherche mathématique. Le problème des parties, il se pose à Pascal, est évidemment fondement du calcul des probabilités. Alors, ce qui est dit des mathématiques vaut aussi pour l'expérience, pour la physique, parce qu'elle repose sur l'expérience. Ce sont les seuls maîtres qu'il faut suivre en physique, dit Pascal, les expériences. Bon, comme ces expériences se multiplient au cours des siècles, au cours des âges, ben, notre connaissance de la nature ne cesse d'augmenter. Ce que les anciens pensée de l'horreur du vide a été détruite par l'expérience de Torricelli et puis surtout par celle de Pascal, l'expérience qu'il a menée à Rouen ou qu'il a fait mener sur le Puy-de-Dôme par Florin Perrier. Ces expériences ont prouvé que l'horreur du vide n'était qu'une illusion, qu'un fantasme, que les effets qu'on pouvait attribuer étaient en fait attribués à la pesanteur de l'air. En un mot, les sciences de raisonnement ou d'expérience manifestent un progrès continuel. Pour Pascal, ce progrès est d'ailleurs la grande différence et qui nous sépare des animaux. Les effets du raisonnement augmentent sans cesse. Mais les effets de l'instinct animal, je le cite encore, demeurent toujours dans un état égal. Et vous avez ce bel exemple, dans la préface sur le traité du vide, les ruches, les abeilles étaient aussi bien mesurées il y a 1000 ans, aujourd'hui. Donc l'humanité, pour Pascal, vous savez, progresse comme un seul homme, qui ne cesserait d'apprendre. Mais les animaux, pour chaque individu et à chaque génération, si j'ose dire, recommencent à zéro. Les animaux recommencent indéfiniment les mêmes choses, en ce sens. On peut dire que les animaux n'ont pas d'histoire. C'est comme les gens heureux. Les progrès de l'humanité, cependant, ne concernent que les sciences, l'expérience ou le raisonnement.
Et puis évidemment, les applications techniques qui en découlent. Mais ces progrès ne se remarquent guère, voire point du tout, dans le domaine moral. Alors est-ce qu'on peut, dans ces conditions, arriver à une vision de l'histoire qui n'englobe pas simplement un secteur du savoir humain, mais qui prendrait en compte la totalité du devenir humain? Alors à ce moment-là, on passerait à un autre sens de l'expression « sens de l'histoire ». On passerait du sens comme direction au sens comme signification. Et ce sera mon dernier, mais sans doute plus long point. Signification de l'histoire pour Pascal. Alors la signification suppose un principe explicatif général. Remontons à Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin nous propose à ne pas dire qu'il les approuve, mais il examine trois principes explicatifs généraux qui peuvent s'appliquer à l'histoire. C'est dans la Cité de Dieu, livre 5. Donc, trois sens possibles de l'histoire. Il récuse les deux premiers, après avoir examiné les causes de la grandeur de l'Empire romain. Alors, le premier principe, c'est le hasard. Pour Augustin, il n'y a pas d'événement fortuit. Alors, quel sens donne-t-il à fortuit ou à hasard? Il nous l'explique au même endroit. Il n'y a pas d'événement fortuit au sens d'événement qui n'aurait pas de cause ou qui ne proviendrait pas d'un ordre rationnel. Donc, premier principe, le hasard, il est récusé. Second principe, la fatalité, le fatum. Alors, c'est un principe qu'il récuse également parce que ce principe explique que les événements seraient produits en vertu d'un ordre inéluctable qui s'imposerait et aux dieux et aux hommes. Augustin récuse ce principe parce que la fatalité nierait la toute-puissance de Dieu, puisqu'au-dessus des dieux, il y aurait la fatalité. Et ce principe nierait aussi la liberté de l'homme. Donc c'est le troisième principe pour lui qui est le bon. Et ce principe, c'est Dieu lui-même. Donc la volonté est toute puissante, sans préjudice pourtant de la liberté humaine, ni d'un ordre rationnel des choses. Alors ce gouvernement de Dieu sur l'histoire n'est autre que ce qu'on appelle la providence. Par exemple, au livre 5 de la Cité de Dieu, toujours, Augustin nous dit que c'est la providence divine qui est appliquée aux royaumes humains. Alors, plus précisément, on va commencer à se poser des questions. Dans ce même livre 5, il affirme que Dieu est le créateur de toutes les natures, ça va, il est le dispensateur de tous les pouvoirs, pas de problème, mais non de tous les vouloirs. Ah, là, ça pose question. Si c'est problématique, si Dieu n'a pas la maîtrise des vouloirs humains, comment peut-il avoir la maîtrise de l'histoire? Alors, il va falloir que nous entrions ici un petit moment dans la théologie augustinienne de la grâce, mais on ne sortira pas pour autant de notre sujet, parce que, comme vous le savez, Pascal adhère totalement à cette théologie, comme on va en particulier dans les écrits sur la grâce, qui sont un des textes de lui qui sont l'une des clés essentielles pour comprendre son œuvre. Alors, le problème est classique, hein, il peut se formuler ainsi, enfin, il est classique en soi, appliqué à l'histoire, peut-être un petit peu moins. Quel est le rapport de la grâce divine et de la liberté humaine dans l'histoire? Alors, saint Augustin reconnaît explicitement l'exercice de la liberté humaine en histoire. Vous avez par exemple cette sentence, je reste dans le livre 5 de la Cité de Dieu, les volontés humaines sont les causes des actions humaines. Ça ne peut pas être plus clair. Alors, on n'a aucun mal à croire que les volontés humaines sont les causes des actions humaines dans l'histoire, puisqu'il faut bien constater que le cours de cette histoire est rempli de crimes et de guerres, et qu'on ne saurait évidemment
attribuer ses crimes et ses guerres à la volonté de Dieu, qui par définition ne veut que le bien. On a d'ailleurs vérifié tout à l'heure ce constat en montrant le rôle majeur que Pascal attribuait à la concupiscence et à la violence dans la constitution des États et dans l'histoire des peuples. La causalité humaine s'exerce donc indéniablement dans l'histoire. Voilà un point acquis. Mais la causalité divine s'exerce aussi. À commencer, je vais dans la perspective augustinienne, mais c'est aussi celle de Pascal, à commencer par la création, à continuer par le déluge, par la loi remise à Moïse, par l'incarnation du Fils de Dieu. Et plus discrètement, Dieu intervient dans l'histoire en agissant sur ses élus auxquels il donne la grâce. Alors Pascal, en consonance toujours avec Augustin, affirme dans la 18e provinciale que lorsqu'il plaît à Dieu d'accorder sa grâce à un homme, je le cite, il lui fait faire ce qu'il veut et en la manière qu'il le veut. Alors n'en déduisons pas tout de suite, et n'en déduisons pas du tout, que celui qui reçoit la grâce est forcé d'agir comme Dieu le veut. Non, pour Augustin et pour Pascal, cet homme qui reçoit la grâce veut librement ce que Dieu veut. Il suit volontairement l'attraction de la grâce, tout simplement parce que, pour Pascal comme pour Augustin, il trouve plus de plaisir à suivre la grâce qu'à suivre la concupiscence. Alors, ces élus, évidemment, ils jouent aussi leur rôle dans l'histoire. Ils inscrivent chacun leur histoire dans la grande histoire. On peut dire aussi qu'en outre, ils marquent visiblement cette grande histoire en tant qu'ils forment une cité sur la terre, la cité de Dieu. La cité de Dieu en pèlerinage sur la terre. Ils forment une communauté. Alors, deux exemples. L'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament montre, pour Augustin comme pour Pascal, montre clairement l'action de la causalité divine dans l'histoire. Lorsque les Hébreux sont fidèles à l'Alliance, ils gagnent des batailles. Lorsqu'ils s'en écartent, ce sont leurs ennemis qui l'emportent. On pourrait dire par là que l'Ancien Testament est comme la transparence de l'histoire. Saint Augustin pense que, à ce moment-là, se montre à découvert sur un peuple particulier ce qui s'exerce partout, mais de manière cachée, sur les peuples. Deuxième exemple de cette action divine dans l'histoire, ce sont les débuts du christianisme. Augustin, dans le traité de la vraie religion, De Verare Religione, livre 3, dit que la grâce alors a transformé l'humanité ou elle a propagé ce qu'il appelle l'incendie de l'amour divin. Alors Pascal en juge exactement de même. Ça se voit au fragment 332 des pensées. Ce fragment, on commence par une citation du prophète Joël, « Effunda spiritum meum ». C'est-à-dire « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Alors là, évidemment, c'est Dieu qui parle. Et Pascal fait l'application de cette prophétie au premier siècle de notre ère. Alors voici ce qu'il dit. Donc c'est le moment de l'apparition du christianisme. Tous les peuples étaient dans l'infidélité et dans la concupiscence. Toute la terre fut ardente de charité. Les princes quittent leur grandeur, les filles souffrent le martyre. D'où vient cette force? C'est que le Messie est arrivé. Voilà l'effet et les marques de sa venue. Donc là encore, ça reste la causalité divine sur l'histoire, aux yeux d'Augustin et de Pascal. Cette causalité est explicitement énoncée dans un autre fragment, le 690. La conversion des païens, dit Pascal, n'était réservée qu'à la grâce du Messie. Donc, nous sommes devant deux principes
agissant dans l'histoire, la causalité humaine et la causalité divine. Alors pour Pascal, il faut les affirmer l'un et l'autre, plutôt l'une et l'autre. Si on nie la causalité humaine, ça veut dire que nous ne sommes plus que des marionnettes entre les mains de Dieu et que l'histoire n'est qu'un théâtre d'ombre où s'agitent en vain des figurants qui n'ont aucune prise sur leur destinée. Et puis, symétriquement, si on nie la causalité divine, on nie Dieu lui-même, puisque la toute-puissance est un de ses attributs. Et à ce moment-là, on livre l'histoire aux configurations sans cesse mouvantes et imprévisibles du désir, de l'imagination et de la force, sans espérance d'une signification ultime, sans espérance de sortir du chaos. Alors la question qui se pose maintenant est celle-ci, bien sûr. Peut-on penser ensemble, peut-on articuler ces deux causalités? Alors, la raison d'ordre théologique qui permet de les penser ensemble, de les articuler, se tire pour Pascal de Saint-Augustin et aussi de Saint-Thomas. On pourrait la résumer de façon simple. Dieu, en créant l'homme, l'a doté de la capacité d'agir librement. C'est-à-dire que Dieu est la cause de la causalité humaine. Dieu est la cause des causes. Alors, cela ne signifie pas que les deux causalités soient sur le même plan. Il y a une terminologie que l'on trouve chez Augustin et même chez Thomas, que Pascal reprend dans les écrits sur la grâce. Saint Augustin distingue une volonté dominante, celle de Dieu, et une volonté suivante, celle de l'homme. Saint Thomas d'Aquin, lui, parle d'une cause première, Dieu, et d'une cause seconde, deux causes secondes au pluriel, parmi lesquelles l'homme. La volonté de l'homme est cause seconde. Alors, qualifier la volonté humaine de cause seconde ou de cause suivante, ce n'est pas en fait une causalité esclave. Et quand l'homme fait le mal, il est clair que c'est lui qui le veut et qui le fait. C'est lui qui le produit. Et quand il agit bien, Augustin, Thomas, Pascal parlent de coopération entre volonté humaine et volonté divine. Mais dans tous les cas, le pouvoir de la volonté humaine est un don de Dieu. Alors, il y a une formulation frappante chez Pascal, c'est au fragment 757 qui nous permet d'éclairer un peu cette coopération des causalités. Pascal demande dans ce fragment « Pourquoi Dieu a-t-il établi la prière ?» Et il répond « Pour communiquer à ses créatures la dignité de la causalité. » Donc on voit bien ici que la causalité humaine a une réelle efficacité. Si c'était une causalité esclave, elle n'aurait pas de dignité. Et on voit aussi que, en même temps, c'est Dieu qui communique cette efficacité. Et ce qui montre bien, encore une fois, que cette causalité humaine n'est pas une causalité esclave, c'est que Pascal l'invoque ici à propos de la prière. C'est-à-dire que par ses demandes, l'homme peut obtenir quelque chose de Dieu. Alors si on traduit ça en vocabulaire thomiste, ça veut dire que finalement, la cause seconde peut exercer une causalité sur la cause première. Ce n'est pas le cas, évidemment, d'une volonté qui serait esclave. Dernier point relativement à ce passage, cette formule assez étonnante, communiquer à ces créatures la dignité de la causalité, c'est, tous les commentateurs ne l'ont pas aperçu, une citation littérale de Thomas d'Aquin. Ça se trouve à la première partie, la somme théologique, première partie, question 22 de la Providence. Ut dignitatem causalitatis etiam creaturis communicat. Exactement ce que nous dit Pascal pour qu'il communique la dignité de la causalité même aux créatures. Alors on connaît bien depuis la grande thèse de Philippe Séquier l'influence d'Augustin sur Pascal. N'oublions pas pour autant une certaine empreinte thomiste. Pour ces trois auteurs, Thomas, Augustin, Pascal, la volonté humaine est libre. Mais
Cela relance la question que nous posions il y a quelques secondes. Si Dieu n'a pas la maîtrise de tous les vouloirs humains, comment peut-il avoir la maîtrise de l'histoire ? Alors, nous avons ici deux réponses. Les volontés humaines bonnes ne posent pas de difficultés. Elles sont conformes aux volontés divines, et cette conformité est obtenue par une libre adhésion de la volonté humaine aux impulsions ou à l'attraction de la grâce. Donc, les mêmes événements, dans ce cas de figure, peuvent être dits voulus par l'homme et voulus par Dieu. Pour les volontés mauvaises, assez plus complexes, bon, on dira qu'il est bon que l'homme soit libre de ses choix. On dira qu'il est bon aussi que cela ait été voulu de Dieu, que cela est conforme à sa volonté. Mais est-ce qu'on peut dire que les événements produits par une volonté humaine mauvaise soient voulus par Dieu? Et s'ils ne sont pas voulus par Dieu, que devient la maîtrise de Dieu sur l'histoire? Alors, pour tenter de trouver une réponse à cette question, nous passerons des concepts abstraits de la théologie et de la philosophie à la considération concrète pour Pascal des événements de l'histoire. Je rappelle simplement, ici, le principe posé par Augustin dans la Cité de Dieu. Il n'y a pas d'événement fortuit, il n'y a pas d'événement fatal. Il y a seulement des événements qui entrent dans l'ordre de la providence divine. Or, ce principe, Pascal le fait sien. Et on le voit de façon tout à fait explicite et sur un fait tout à fait concret et qui le touche de près, la mort de son père. On le voit dans la lettre sur la mort de son père qui date de 1651. Son père Étienne Pascal. Alors, comment appréhender cet événement? Voici la réponse de Pascal. Il ne faut pas l'appréhender comme un effet du hasard, qui barre l'événement fortuit, comme Augustin. Non pas comme une nécessité fatale de la nature, il barre aussi la fatalité. Mais il faut l'appréhender comme une suite juste, sainte, utile d'un arrêt de la providence. Donc, on est tout à fait sur la ligne augustinienne. Ce principe de la providence est-il repérable, au-delà du cas singulier d'Étienne Pascal, dans l'histoire de l'humanité? Tout à l'heure, je parlais de la création de Moïse, de l'avenir du Messie, etc. Ce sont des faits historiques qui sont historiques pour le chrétien. Est-ce que n'importe qui ne peut pas voir la providence, l'intervention divine dans l'histoire de l'humanité? Alors, la réponse est positive pour Pascal. Dans l'enchevêtrement des événements historiques, dans les disparitions successives des empires, Pascal remarque une continuité et une subsistance, on dirait presque aujourd'hui une résilience pour être à la mode. C'est la continuité, la subsistance du peuple juif. Alors, fragment 691. Ce peuple n'est pas seulement considérable par son antiquité, mais il est encore singulier par sa durée, qui a toujours continué depuis son origine jusqu'à maintenant. Donc, tant de peuples puissants, beaucoup plus puissants que lui, ont essayé de le faire périr, et c'est eux qui ont péri. La faiblesse d'Israël a survécu dans l'écroulement universel des empires. Alors, d'où la formule du fragment 690, lapidaire, la protection de Dieu paraît dans les Juifs. Mais une seconde pérennité retient aussi Pascal, c'est celle de l'Église. Il nous dit que Jésus-Christ, sans autres armes que celles de son sang et le sang de ses disciples, sans moyen de réussir humainement, ça c'est son expression, sans moyen de réussir humainement, fragment 242, ben Jésus-Christ vient détruire les idoles des païens et il transforme Rome, disons par son action, Rome qui était la persécutrice des chrétiens, elle devient le centre même de la chrétienté.
Et puis, dans la suite des temps, mille fois, dit Pascal, la religion chrétienne a été à la veille d'une destruction universelle. Et chaque fois, Dieu l'a relevée par des coups extraordinaires de sa puissance. C'est le fragment 313. Alors, ces deux pérennités d'Israël et de l'Église, pour Pascal, n'en font qu'une. Elles forment la perpétuité de la religion chrétienne, parce que pour lui, le vrai Dieu a toujours eu des adorateurs et le Messie a toujours été cru, avant même qu'il n'arrive. Le Messie a toujours été cru, c'est une formule que vous avez au fragment 314. De sorte que pour Pascal, évidemment, ceux qu'il nomme les vrais juifs de l'Ancien Testament étaient déjà pour lui des chrétiens. Alors cette perpétuité, pour lui, est un fait unique dans l'histoire. Elle constitue, à ses yeux, une preuve que, malgré les apparences, Dieu n'a pas abandonné l'histoire aux caprices et au hasard. Et cette preuve par la perpétuité se double de ce qui est, toujours pour Pascal, la plus grande épreuve du christianisme, à savoir les prophéties. Ce que l'Ancien Testament et l'histoire d'Israël annoncent, le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église le réalisent. Soit directement, soit en figure. Alors, l'histoire étant imprévisible, comme on l'a vu, en raison de l'imperceptibilité des causes et de leur infinité, l'histoire étant imprévisible, le fait qu'elle ait été prophétisée suppose à la fois une omniscience et une omnipotence divine sur l'histoire. Disons que la prophétie bannit définitivement le hasard. Fragment 358. La prédiction, afin qu'on ne dit point que c'est le hasard qui l'a fait. Alors, on a là une des originalités de Pascal. Les preuves de Dieu, traditionnellement, sont prises de la cosmologie, de l'ordre harmonieux de l'univers. Ce sont des preuves métaphysiques. C'est l'adjectif que Pascal emploie d'ailleurs en apax, dans les pensées au fragment 222, preuve métaphysique, preuve compliquée. Et Pascal ne les reprend pas. Il se tourne non pas vers le cosmos, il se tourne vers une preuve qui est non pas compliquée, mais à ses yeux aisément accessible à la lumière naturelle, presque palpable. C'est la preuve qu'offre l'histoire. Elle remplace la considération de l'ordre du monde par ce qu'il appelle la conduite du monde. La conduite du monde, une expression qu'on trouve au fragment 717. Alors, il y a une différence essentielle entre le cosmos et l'histoire, pour le plan qui nous intéresse, c'est que le cosmos n'a pas de centre, puisqu'il est infini. L'histoire, elle, a un centre, révélé justement par les prophéties. C'est ce qu'on voit au fragment 7. Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous les deux comme leur centre. Donc il y a un centre à l'histoire, il n'y a pas de centre au cosmos. À partir du moment où l'histoire a un centre, elle acquiert une signification. Avant Jésus-Christ, l'histoire tend vers lui. Après lui, elle attend son retour. Alors, est-ce qu'on peut être plus précis dans la scansion de l'histoire, dans les étapes qu'elle suit? Là, il y a plusieurs modèles qui s'offrent à Pascal. Deux modèles, exactement. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, mais ce sont deux modèles qui ont un écho chez Pascal, mais un écho affaibli. Le premier, c'est la tripartition paulinienne. Donc ça, dans l'Épître aux Romains, il y a le temps de la nature, il y a le temps de la loi, avec Moïse, et il y a le temps de la grâce, avec Jésus-Christ. Alors, on trouve un écho de cette tripartition au fragment 754. La loi n'a pas détruit la nature, mais elle l'a instruite. La grâce n'a pas détruit la loi, mais elle l'a fait exercer. On retrouve cette tripartition, donc
loi, nature, grâce. Mais c'est, sauf erreur, à ce fragment, que se limite l'écho au modèle paulinien. Même si, on le verra, Saint-Paul est capital dans l'interprétation de l'histoire par Pascal, mais pas sur le mode de cette tripartition. Un second modèle possible, c'est celui des six âges que l'on trouve chez Augustin. C'est cette fois dans son livre « De la Genèse contre les Manichéens ». Six âges, bon, je n'entre pas dans les détails, je vais quand même rapidement les survoler. Le premier âge va d'Adam à Noé, le second âge va de Noé à Abraham, le troisième d'Abraham à David, le quatrième de David à l'exil à Babylone, le cinquième de l'exil à Babylone jusqu'à la naissance de Christ, le sixième de la naissance de Christ jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à son retour. Au-delà de l'histoire, il y a le septième âge, celui du repos des élus dans la béatitude divine. Septième âge qui correspond évidemment au septième jour de la création dans la Genèse, le jour du repos de Dieu. Alors Pascal se réfère explicitement à ce paradigme au fragment 315. Or c'est un fragment qui serait complètement incompréhensible si on n'avait pas la clé du dégénie d'Epilésie contra Manichéos d'Augustin. Voici ce fragment. Heureusement qu'il y a des notes. Les six âges, les six pères des six âges, les six merveilles à l'entrée des six âges, les six orients à l'entrée des six âges. Point final. Lorsque Pascal appelle les pères des six âges, ce sont les figures dominantes de chacun de ces âges. On a vu Adam, Noé, Abraham, etc. Les six orients, ce sont les débuts prometteurs de chacun de ces âges. Alors le cinquième est exceptionnel, mais n'entrons pas dans les détails. Alors ce schéma augustinien, il est très connu au XVIIe siècle. Mais ce qu'on remarque, c'est que les spécialistes de la chronologie soit le déforment, soit ne s'en servent pas. Par exemple, il distingue en général, les chronologistes, sept âges au lieu de six. C'est un changement qui n'a l'air de rien, mais qui, en fait, signifie beaucoup. Ça détruit en particulier la vision analogique des six jours de la création et des six âges de l'histoire. Donc, c'est déjà la mise en question d'une conception analogique de l'histoire. Et puis, le plus grand chronologiste de l'époque, qui est un jésuite, le père Petau, ne se sert pas de cette chronologie-là. Quant aux historiens proprement dits du XVIIe siècle, enfin, quand je dis historiens du XVIIe siècle, j'entends bien sûr les historiens au XVIIe siècle, ils ne trouvent pas d'utilité à ce schéma. On comprend, parce que ce schéma n'introduit aucune périodisation subsidiaire, intermédiaire, entre Jésus-Christ et la fin du monde. Pas très commode pour les historiens qui veulent scander ce temps, qui est tout de même assez long. Même Bossuet, qui est pourtant un fervent augustinien, ne distingue pas six âges. Il distingue ce qu'il appelle 12 époques. Et la nouveauté aussi par rapport à Augustin, c'est que ces époques correspondent à des événements qui ne sont pas seulement des événements d'origine biblique, hein, comme Noé, etc. Ce sont aussi des événements connus par des sources profanes. Donc il y a une époque qui est marquée par la prise de Troie. Pour lui, c'est historique. Et puis il y a une autre époque qui est celle de la fondation de Rome. Ce sont deux des 12 époques. Donc, on a changé vraiment de modèle. Donc, ce modèle augustinien, comme d'ailleurs le modèle paulinien, ne seront pas développés par Pascal, bon, sans doute parce qu'il ne trouve pas d'utilité évidente à ces modèles dans le projet apologétique des pensées. En revanche, il y a un modèle qui semble propre à Pascal, qui est en lien avec son projet polémique anti-jésuite des provinciales. C'est un projet qu'on trouve. Je veux dire, c'est un modèle qu'on trouve dans un texte de lui peu commenté, qui appartient aux écrits de la fin
de la campagne des provinciales, c'est le projet de mandement contre l'apologie pour les casuistes. Qu'est-ce que l'on trouve dans ce texte qui est très beau et qui mériterait davantage de commentaires? Pascal tire des prophètes Jérémie et Ézéchiel un schéma de la décadence et de la chute de la synagogue. À l'origine de cette décadence, il place la doctrine des faux prophètes. Et cette doctrine se propage ensuite en trois temps. Ces doctrines perverses corrompent d'abord les grands. Dans un deuxième temps, elles corrompent le peuple. Et dans un troisième temps, elles corrompent les prêtres eux-mêmes. Tant que les prêtres sont demeurés exempts de cette corruption, le châtiment divin a été suspendu. Mais lorsque les prêtres y ont succombé, Pascal dit « les fléaux de Dieu sont tombés sur ce peuple ». Et pourquoi n'a-t-il pas obtenu miséricorde? La réponse est terrible. C'est parce qu'il n'y avait plus personne pour la demander. Donc c'est pour lui au comble de la corruption qui est arrivée, je le cite, la destruction de l'ancien temple de la synagogue. Alors, comme tout ce qui est arrivé au peuple juif lui est arrivé en figure, comme dit saint Paul, et comme la synagogue a été l'image de l'Église, c'est une expression de Pascal, ce qui est arrivé à la première annonce, préfigure, ce qui doit arriver à la seconde. Donc Pascal applique le même schéma à l'histoire de l'Église que celui qu'il a appliqué à celle de la synagogue. On retrouve la même triple scansion, ce qui forme ce qu'il appelle la source, le progrès et la consommation de l'impiété. Tout ça à partir de faux prophètes. Alors, comme Pascal écrit ceci dans le cadre de la campagne provinciale anti-Jésus, on se doute de l'identité pour lui de ces faux prophètes. Ce sont évidemment les casuistes relâchés de la compagnie de Jésus. D'ailleurs, Pascal leur applique un passage de saint Paul qui annonce que des faux prophètes apparaîtront dans les derniers temps. Donc, dans le processus d'extension de la corruption à partir de ces faux prophètes, eh bien, il passe. Exactement comme dans le schéma qu'il trouvait dans l'Ancien Testament, il place d'abord ceux qu'il estime gagner au maxime vaincu, les grands. Pour ce qui est du peuple, deuxième étape, il estime qu'ils sont entachés de cette corruption. De sorte que l'on se trouve au seuil de la troisième étape, celle qui pourrait voir la corruption de la hiérarchie de l'Église. Si cela arrivait, dit-il, ce serait un consentement général dans l'erreur qui attirerait le dernier jugement de Dieu. Dernier jugement de Dieu sur l'Église, comme ce jugement de Dieu avait eu lieu dans la destruction de la synagogue. Alors, on pensera peut-être, bon, ceci concerne de l'histoire de l'Église, mais il n'en est rien, parce que pour Pascal, l'histoire de l'Église, plutôt la fin de l'histoire de l'Église, marquerait en même temps la fin de l'histoire du monde. Cette coïncidence est intéressante parce qu'elle nous éclaire sur la finalité de l'histoire, donc sur son sens ultime. Son sens ultime, c'est de construire le Jérusalem céleste, hein, c'est-à-dire d'enfanter les élus qui la peupleront. L'histoire s'arrêtera quand le nombre des élus sera complet. Alors, comme c'est la mission de l'Église d'enfanter les élus, ben, quand elle aura achevé sa mission, l'histoire humaine cessera. Le monde lui-même n'aura plus de raison d'être. On voit donc que l'histoire humaine est une histoire de salut, en tout cas pour quelques-uns, et que ceux qui procurent le salut, donc le peuple juif, puis le Christ et l'Église sont les moteurs de l'histoire. Ils lui donnent son sens, hein, à la fois son orientation et sa signification. Et à ce sens,
tous les peuples contribuent, même sans savoir. Ah, ça c'est intéressant. Peut-être que je suis un peu long. Je ne me rends pas compte du temps qui me reste. Non, c'est parfait. C'est trop bon. Bien. Oui, les peuples contribuent, même sans savoir. C'est ça qui est intéressant. Fragment 332. Je le lis. Qu'il est beau de voir par les yeux de la foi Darius et Cyrus, Alexandre, les Romains, Pompée et Hérode agir sans le savoir pour la gloire de l'Évangile. C'est-à-dire que ce qu'ont fait ces princes, ces généraux, ces peuples, pour leurs intérêts particuliers, hein, par ambition, par avidité de domination, ce qu'ils ont fait a objectivement préparé l'arrivée du Messie et l'expansion de son message. Le nom de Pompée dans cette liste enseigne que les guerres civiles de Rome, qui n'avaient évidemment pour objet que de donner le pouvoir à tel général ou à tel autre, ces guerres civiles ont eu pour effet de procurer l'unification de l'Empire, précisément au temps où le Christ devait naître. Et donc par là de faciliter et de permettre tout simplement la diffusion de l'Évangile dans tout l'Occident et de là dans le monde entier. Alors cette contribution des hommes au dessein divin, elle est volontaire, puisque son principe est la liberté humaine. C'est volontairement que Pompée, que Cyrus, qu'Alexandre, etc. ont agi. Cette contribution est aussi involontaire dans ses conséquences. Donc, cette contribution est volontaire dans sa cause, la liberté humaine, elle est involontaire dans ses conséquences, qui sont la réalisation du dessein divin. Alors, c'est cette contribution qui répond à la question que nous avions laissée en suspens. Comment Dieu peut-il rester le maître de l'histoire tout en laissant la liberté aux hommes de suivre leurs propres desseins, qui sont des desseins soit égoïstes, soit criminels, et toujours égoïste, disons, et souvent criminel. Alors, parce qu'elle répondrait à cette question, les hommes font ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que les conséquences de leurs actes leur échappent et tournent ultimement au bien des élus et à la reconnaissance de la vérité. Par exemple, à la fin de la 12e probatiale, Pascal écrit que l'ordre de Dieu conduit les effets de la violence à la gloire de la vérité qu'elle attaque. Alors, c'est-à-dire le caractère éminemment dialectique de l'histoire. C'est-à-dire, même ceux qui ignorent la religion chrétienne, même ceux qui travaillent contre elle, même ceux qui s'y opposent, en fait, ils travaillent sans le savoir pour elle. Ce sens de l'histoire, nous dit Pascal, n'est perçu que par les yeux de la foi. Ont entendu cette expression au début du fragment que je citais. C'est-à-dire que pour la foi, le sens de l'histoire reste obscur. Dans le même fragment 348 que je viens de citer, Pascal ajoute qu'on est heureux d'avoir cette lumière dans cette obscurité. L'obscurité, c'est le chaos apparent de l'histoire, la lumière, c'est Jésus-Christ qui lui donne sens. Bossuet, qui partage cette vision providentialiste, donnera quelques années plus tard, dans son sermon sur la providence, une image magnifique qui explicite cette configuration, cette image de l'anamorphose. Comment, dans un chaos apparent de ligne, voir un sens? Comment dégager une image intelligible? Pour cela, il faut regarder l'histoire à partir du point de perspective qu'est Jésus-Christ. Bon, je ne m'étends pas sur cette comparaison de l'anamorphose que l'on trouve chez Bossuet dans le sermon sur la providence, justement, mais elle nous donne un second caractère de l'histoire, M. Pascal. On a vu son caractère dialectique, là c'est son caractère esthétique. C'est-à-dire que l'histoire se déroule comme un tableau. Rappelons le début du fragment 348, qu'il est beau de voir par les yeux de la foi, etc. Cette dimension, elle est héritée de Saint-Augustin, et qui compare l'histoire
à un tableau où les pêcheurs, par leur noirceur, servent à rehausser à l'éclat des figures lumineuses. Bon, c'est le deuxième caractère, caractère esthétique. Mais c'est la première dimension, le premier caractère, la dimension dialectique, qui est appelée sous une autre forme à un grand avenir. Je parlais en ouvrant cette intervention des grandes philosophies de l'histoire du XIXe siècle. Est-ce qu'il n'y a pas une filiation, inattendue certes, entre le providentialisme d'Augustin et Pascal et la vision de l'histoire développée par Hegel et ceux qui l'inspirent? Alors, nous avançons vers des territoires qui peuvent être objets de contestation, mais qui sont stimulants. Je rappelle que le fragment 348 de Cyrus, etc., montre que les acteurs de l'histoire, en particulier les Romains, poursuivent des buts qui leur sont propres, mais que ce qu'ils réalisent en poursuivant ces buts, et même en les atteignant, n'a absolument rien à voir avec la finalité qu'ils recherchaient. En termes philosophiques, on dira que le vouloir de ces acteurs de l'histoire, Cyrus, Romain, Pompée, leur vouloir subjectif est dissocié de leur vouloir objectif. Alors, cette distinction, elle est thématisée par Hegel dans la raison dans l'histoire. Je cite Hegel. Dans l'histoire universelle, il résulte des actions des hommes quelque chose d'autre que ce qu'ils ont projeté et atteint. Quelque chose d'autre que ce qu'ils savent. Rappelons-nous la formule de Pascal, sans le savoir. Quelque chose d'autre que ce qu'ils veulent immédiatement. Ils réalisent leurs intérêts, pour la concupiscence, mais il se produit en même temps quelque autre chose qui y est cachée dans l'histoire. Quelque chose dont leur conscience ne se rendait pas compte et qui n'entrait pas dans leur vue. Une citation. Alors, à coup sûr, pour reprendre l'exemple de Pascal, il n'entrait pas dans la vue des Romains ou de leurs généraux qui se battaient pour le pouvoir, il n'entrait pas dans leur vue de procurer ce qu'il appelle la gloire de l'Évangile. Pascal nommait Pompée, Hegel nomme César. Que nous dit-il de César? César ne s'est dressé contre ses ennemis que dans un but de prime abord négatif, pour assurer son honneur à lui, sa sécurité. Mais comme ses ennemis étaient les maîtres du reste de l'Empire, eh bien, je cite Hegel, sa victoire sur eux fut en même temps une conquête de la totalité de l'Empire. C'est-à-dire que la contingence, disons, donc la finalité apparemment contingente de l'action de César, a coïncidé avec une détermination nécessaire dans l'histoire du monde. Les actions de Cyrus, de Darius, d'Alexandre, des Romains, de Pompée, sont déjà ce que Hegel appellera une ruse de l'histoire. La ruse de l'histoire, c'est le nom rationaliste de la providence. Alors, la vision, il y a une différence fondamentale. Ne mélangeons pas tout, il y a une différence fondamentale entre la vision providentialiste et la vision hegelienne de l'histoire. La vision providentialiste, tout en préservant, en voulant préserver la liberté de l'homme, elle donne à l'histoire un moteur transcendant, qui est Dieu. La vision hegelienne, elle, est immanentiste, hein, c'est-à-dire que l'histoire est le lieu de l'auto-réalisation de l'esprit du monde. Or, il resterait à voir, mais ça, c'est à chacun d'y penser pour son compte, il resterait à voir laquelle de ces deux conceptions est la plus cohérente. J'indique un ouvrage qui peut donner à penser en la matière, c'est celui du philosophe allemand Karl Löwith, L-O-W-I-T-H, qui est mort en 73, qui a écrit un livre tout à fait passionnant, un grand livre, qui s'appelle « Histoire et scène ». Il a été traduit seulement en 2002 en français. Pour Löwith, il revient à la conception immanentiste de démontrer, s'il lui revient de le démontrer, c'est qu'à ses yeux, ça n'a pas été fait, il revient de démontrer que l'événement produit par la liberté humaine est également
producteur de liberté pour l'humanité, à son ensemble. Selon le mythe, qui d'ailleurs ne devait pas être providentiel, le mythe semble plutôt être sceptique. En tout cas, selon lui, il est illusoire de penser que les événements viennent d'eux-mêmes, c'est ça la balance, viennent d'eux-mêmes apporter dans l'histoire une solution prévisible au problème de la souffrance. Voilà ce que dit Lévi. Alors je vous laisse agiter ces profondes questions et je conclue en quelques mots que l'histoire, même aux yeux de la foi, pour Pascal, conserve son mystère. Chaque événement, dans chaque existence, ne dévoile pas aux chrétiens son sens éternel, ni d'ailleurs ses conséquences terrestres. Pascal ne s'abandonne pas à des spéculations que l'on trouve parfois chez des théologiens qui sont contemporains, en particulier celui qui s'appelait Diroy, D-I-R-O-Y-S, qui scrutait les intentions divines dans la mort de Germanicus, ou, je le cite, dans la conjuration des soldats après la mort de Caligula. Alors on peut délirer à l'aise, on ne sera jamais réfuté. Ce qui, en revanche, à Pascal est donné aux chrétiens, c'est, disons, trois choses. D'abord, le principe surplombant de l'histoire. Fragment 577, tout est fait et conduit par un même maître. Tout, c'est-à-dire l'histoire comme la nature. Deuxième point, nous avons, si on a la foi pour Pascal, la connaissance de l'antagonisme foncier qui traverse l'histoire, à savoir le combat de la violence et de la vérité. Et troisième point, nous avons la connaissance de la finalité de l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, la constitution de la Jérusalem céleste, selon ce qu'on lit d'ailleurs chez Pascal lui-même dans la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. « Ô Dieu, qui ne laissait subsister le monde et toutes les choses du monde que pour exercer vos élus et pour punir les pécheurs. » Fin de citation. Donc le sens de tous les événements personnels et collectifs, la vision globale, la vision transparente de l'histoire, nous seront révélés dans les dernières lignes lorsque cette histoire aura pris fin. Je vous remercie de votre attention.